autre le chose. Mot lab, c'est un laboratoire mobile. C'est un laboratoire mobile qui fait les activités scientifiques, technologiques, dans les écoles, un peu partout, sur tout l'étendue du territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous n'allons pas parler anglais, mais nous allons parler... Nous allons parler science. Nous allons parler science. Nous allons faire de la science. De la science passée. Est-ce que vous connaissez la science passée? Non. Ah ok, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Mon frère vient de me dire. Je vais être content, quoi. Vous savez pourquoi? C'est le sixième ici, non? Après le cinquième. Voilà. Vous avez commencé en chimie, quoi. Le premier chapitre en science, c'est quoi? Les atomes, vous allez voir les atomes. Les quatrièmes, poussées d'Archimède, non? Vous-même, vous allez voir ça. Vous allez toucher au dynamomètre. Vous allez réaliser les expériences avec ça. Les troisièmes, les alcanes, non? Ah, oh, vous allez voir ça. Vous allez réaliser la combustion des alcanes. Vous allez voir comment l'autre chose se trouve. Les poulies mobiles, poulies à deux bottes, vous allez toucher ça. Et puis, c'est pas tout. Il y a des microscopes, il y a beaucoup d'appareils, des drones qui vont vous survoler pour prendre des images, etc. etc. Mieux, on est là également avec des gens qui ont passé par ces expériences-là et qui aujourd'hui se servent de ça pour vivre, à les mettre en application. Parmi nous, il y a un jeune qui a suivi son cours sur l'électrolyse de l'eau. Et puis, vous savez que lors de l'électrolyse, il y a dégagement de deux gaz, non? L'hydrogène et le dioxyde. Et que l'hydrogène, ça devient la brûle, non? Voilà. Donc lui, il a conçu un groupe d'électrogène là. Il suffit de mettre de l'eau dedans. Et puis, il aura une électrolyse d'hydrogène là. Le gaz va servir à alimenter. En sorte que dans les villages où il n'y a pas d'électricité là, vous prenez le groupe, vous mettez de l'eau dedans, vous avez l'électricité. Monsieur Yann, on peut l'acclamer encore. Vous savez que bientôt c'est la fête, non? Oui. Et puis déjà vont avoir des jouets, non? Oui. Vous savez comment on fabrique les jouets? Non. Ah. Donc il y a des gens qui sont parmi nous. Eux, ils fabriquent des petits robots. Ils ont même apporté un petit robot là-bas. C'est sous forme d'araignée, là, ça marche comme ça, comme ça. D'accord, on peut acclamer pour les projets de la Donc, qui va vous apprendre comment fabriquer un petit robot? On peut même fabriquer. Et ici, là, ça va grimper les montagnes d'ici, chercher des choses, de descendre encore. Vous voyez comment c'est génial ici. Oui, monsieur! C'est pas fini. Vous savez que bientôt, il y aura encore la fête, non? Oui! Et puis, on va chanter. Oui! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Le bon label venu avec des artistes qui ont amené des guitares, des pianos. Oui. Et puis ils vont vous apprendre à chanter. Ah oui, ils vont vous apprendre à chanter. Vous-même vous allez jouer. Tan, 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 tan. Alors, votre papa Noël a accepté venir vous visiter à partir d'aujourd'hui. Parce que il est passé par son ami. Je ne sais pas si c'est son petit frère ou bien si c'est son grand frère. Il se comporte comme un petit papa Noël.
ils donnent des jeux, des cadeaux aux enfants. Mais avant de donner des cadeaux, vous devez tout d'abord participer à des jeux. Donc tout le monde l'appelle papa jeu. Donc il est là, avec lui, vous aurez beaucoup de jeux scientifiques. Et c'est ceux qui vont réussir à ces jeux qui vont partir avec des cadeaux. Alors vous êtes prêts pour relever le défi? Oui! Donc il faut l'acclamer très fort! C'est ça le courant encore, les générateurs. Qui encore? Oui? Deux? Ah non. Le diomètre pour réaliser l'électrolyse de l'eau. Alors, non. Celui-ci. On a un permettre.
sœur Queen. Dans les films, non. Dans les films, il y a des endroits où les enfants vont s'amuser. Ils restent dans les voitures, plus ça tout ça. C'est ce que nous faisons ce matin. Donc vous devez faire vite. On n'a pas bon dit, hein. Vous allez voir comment vous avez ces choses-là. Vous avez ces choses-là, vous comprenez? Tu vois, tu vas voir ce qui est similaire à ceci, donc ce qu'on va vous donner. Tu prends ça, tu gardes ça quelque part, comme ça. Tu prends ce qui ressemble à ceci, tu gardes aussi comme ça. Tu prends ce qui ressemble à ceci, tu gardes. Vous allez construire ceci. Ça là. Quand vous finissez de construire ceci là, vous allez revenir à l'étape 2. Vous allez rassembler les puzzles pour faire la paix de cette image-là. Et là, vous tombez. Donc, vous allez ensemble, vous allez travailler ensemble. Vous allez travailler en équipe. Vous avez dit qu'un scientifique doit avoir quelle qualité? Quelle qualité je vous avais dit qu'un scientifique doit avoir? Un bon scientifique doit avoir quelle qualité? Je mesure le dynamomètre pour savoir le gramme du caillou. Pour savoir le... La gramme. Le poids du caillou. Le poids du caillou. Oui. Dans le poids du caillou est égal à... Le poids du caillou est égal à 2. Donc 2 quoi? 2 grammes. J'ai dit de ne pas crier. Donc le poids du caillou est égal à 2... 2 newtons. Voilà. Donc, secrétaire, tu rentres dans les bases de données, tu prends ton ordinateur là, et puis tu tapes 2 newtons. C'est bon? Voilà. Oui? Ensuite... Ensuite, je le plonge dans l'eau. Mmh.
les gars là. On a imprimé ça avec l'imprimante. Et maintenant, on a ça, on a mis les moteurs. Les moteurs aussi, on les a imprimés. Quelqu'un pense, qui pense ici qu'on a imprimé les moteurs aussi? Eux, on les a pas imprimés, ou bien? Oui. Hein? Donc, on les a pris. Ça, là, on les a imprimés. On a assemblé les moteurs. Les moteurs nous permettent de faire quoi? Vous connaissez les moteurs? Oui. Ils permettent de faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? De travailler. Comment? En faisant quoi? En bougeant. Hein, eux, ils tournent, ils permettent de faire le mouvement. C'est comme dans la voiture. Quand le moteur tourne là, ça fait que la voiture. Vous voyez, non? Ici, quand ça tourne, ça fait que... Tu vois? Quand le moteur tourne, ça fait que il y a le bras. Il fait un mouvement. Vous voyez? Vous voyez, maintenant si vous maintenant, si je veux déposer ça quelque part, il suffit que je fasse tourner ça vers là-bas et je dépose ça. Donc maintenant, on va déposer ça sur la table. Vous voyez, non? Voilà. Ce n'est pas magnifique.
On va faire PA égale à P moins B. Donc c'est écrit PA égale petit A ou bien grand A. Petit A. Donc P petit A égale à P moins B. Et on en calme. Maintenant, on peut faire quoi? L'application numérique. On fait l'application numérique. Donc, maintenant, vous allez partir chacun avec. Hein? Toi, tu prends ça, tu prends ça. Quand vous allez rentrer, vous allez leur montrer ça. Vous allez leur expliquer. Mais là, pendant qu'on est en train de faire autre chose. Le coup, hein. Après, là, vous allez leur dire quand vous êtes venu dans le Molab, là, après ce que les autres ont montré, là, à part ça, là, vous avez vu l'imprimante 3D. Tout ce que je vous ai dit, là, est-ce que vous avez payé pour prendre ça? Non. Hein? Donc, votre devoir, c'est d'utiliser ça pour développer votre communauté ou au moins d'éduquer vos frères, de leur retransmettre ça. Vous voyez, non? Mm-hmm. Hey. Une grande calebasse comme ça, il y a la tige, il y a une tige là comme ça, et puis on met une corde, deux cordes, trois cordes sur quelque chose comme ça, et il y a le griot. Si vous avez des percussions, les instruments à cordes, les instruments à vent, l'instrument ici, qu'on n'a pas encore mis dans un groupe, il s'agit du piano. Il s'agit du piano. Celui-ci s'appelle l'électrolyseur. C'est ici que l'électrolyseur est ici, on a le filtre. Ok? Oui. Là, vous faites le temps à le filtre. Voilà. Celui-ci là, c'est le moteur. Le moteur. Je m'appelle Anaoui Estonim Delphine. Je suis élève au CEGE Soudan en classe de 3e. Aujourd'hui, on a eu la visite de Molab. On a fait les activités de physique sur l'électrolyse de l'eau et j'ai vu l'imprimante 3D. J'ai été impressionnée par
l'imprimante 3D, car c'est fabriqué par un Togolais. Et je veux devenir une ingénieure. Monsieur Batabo Sodina, directeur du CEGE Sendina Rome. Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui l'équipe de MoLab qui est passée dans notre établissement. J'ai apprécié le travail qu'ils ont fait. J'ai eu à visiter tous les stands. Ils ont prouvé que la physique, les sciences physiques ne sont pas du tout difficiles. Les élèves recevaient avant des cours théoriques, mais aujourd'hui avec les expériences de laboratoire qui ont eu lieu, les élèves ont été édifiés. Ces élèves ont participé et je souhaite que ça se répète dans le futur. Et je souhaite également que l'équipe de club scientifique soit mise sur pied dans cet établissement. Et cette équipe sera parrainée par le labo. Et nous allons maintenir le contact. Et à chaque fois qu'on va évoluer avec ce club, on leur tiendra informé. Ils doivent également et aussi faire le suivi que ce qu'ils ont fait aujourd'hui ne s'arrête pas aujourd'hui et qu'ils reviennent un jour également voir est-ce qu'après leur départ, qu'est-ce que nous concrètement on a fait pour continuer cette réunion. Je remercie sincèrement l'équipe pour le travail abattu. Je remercie sincèrement l'ambassade des États-Unis au Togo, le service corps de la paix. Je remercie l'équipe de MoLab qui a fait le déplacement. Je remercie également tous les collègues enseignants de ce jeu qui ont eu à visiter également les stands et à appuyer l'équipe de MoLab. Happy to have the MoLab come to my village. The kids are very happy and excited, and it gives them a chance to experience materials and learn things that are often taught in schools. Today with the MoLab, the activities that were done are having to do with music, the importance of music being taught in schools. There were games, there were experiments, there is a 3D printer at the MoLab, and they get the experience to use technology that they don't have available.